Salut à tous, ici Tsukwezi Wandafuri, Banda Yuanguru. Alors aujourd'hui on est avec un invité spécial, il va se présenter. Vas-y. Voilà, moi c'est Cosette. Il fut un temps quand j'étais jeune et fougueux, j'étais ministre de l'Intérieur. Et maintenant je suis humoriste et danseur. Voilà, vous savez tout. Et les moines de la folie, Banda Yuanguru, c'est ça? C'est ça, Banda Yuanguru, voilà, merci. Donc, en tout cas, abonnez-vous à son Instagram, okay, il faut le suivre, hein. C'est très important. C'est... K-A-U-Z-E-D-T-E. Notez bien sur papier. Ça sera en plus dans la description. Alors, tout simplement, aujourd'hui, on fait quoi là? Dis-nous, on fait quoi aujourd'hui? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va manger une pizza 4 fromages, non? C'est ça? J'ai bien envie, moi. Tu me payes? Ouais, vas-y, je te paye. Sauce piquante ou pas? Moi, je suis bien. Tu veux bien? Ok. Non, on va poser la question. Quelle est la question, Rico? Dis-nous tout. C'est du truc où l'objet le plus cher que vous avez acheté jusqu'à présent. Voilà, maison, voiture, tout. Hein, voilà. C'est parti, hein? C'est parti. Voilà. Ouais. Salut frérot, comment tu vas? Moi c'est Rafton, ça va et toi? Tranquillement. Ah, c'est un abonné, hein, Nyamanguru. Ah, et dis-moi, japonais quoi? Japonais béninois. Japonais béninois. Les sorciers béninois, attention. Hein. Attention, hein. C'est un cliché, mais malheureusement, il y en a dans les villages. Alors dites-moi, c'est quoi le truc le plus cher que vous avez acheté jusqu'à présent? Dans tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Bague de fiançailles. Combien? Un an. Ah, ok. Et sinon, on va dire que. On s'est mis d'accord que tu veux pas lui on dire. On dit pas d'accord, ok. Et du coup, on va dire qu'à part ça, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez acheté Déjà, aujourd'hui, rien. Mais avant, dans votre vie Maison, voiture, télé, iPhone. Le plus cher qu'on a acheté, c'était la maison. La maison, maison. C'était combien La question piège. C'était combien? 270 000. Ah oui, 270 000. Et vous comptez acheter plus cher à l'avenir ou pas du tout? Bah, comme sont les temps, c'est sûr que ça va coûter plus cher. Plus petit et plus cher. Je crois que c'est une paire d'Off-White. Oh bien. Nike Off-White, ouais, Off-White Converse. Nike, c'est vrai, c'est la Air Force One. Oh bien. Combien tu as acheté du coup? J'ai acheté 575, je crois. Ouais, ok, ça marche, ouais. Ok. Bien propre, hein. Et toi, du coup? Un objet, un vêtement. Ou... Tout ce que tu veux, genre télé, tout ce que tu veux. Ouais, un ordi. Combien tu penses? Doit 1200. Ah, combien? Donc, c'est un vrai PC de gamer alors? Ouais. Ok. Donc toi alors sinon est-ce que PC non, toi PC? Bah moi pas encore là, je vais l'acheter normalement le mois prochain. Tu penses combien tu vas mettre dans le PC? 1200, 1300 facile. Ouais donc quand même, ouais. Sûr. Bah, la maison c'est sûr. Ouais. Mais combien? Ça dépend, bah... Combien? Ouais, combien? Si vous le dire. Bah... C'est ça, on veut le prix. 300. 300 000? Bah ouais. Ah ouais. Et quel est l'objet le plus cher que tu vas acheter dans l'avenir? Un bateau. C'est vrai? Combien? Combien si on peut ici? On connaît pas les prix, mais c'est cher. D'accord. 55, 60. Mais c'est pour ça, c'est moins cher que la baraque, mais pour ce que c'est plus cher. Après, là où je suis comme ça, c'est une paire de pompes. 400 euros, je les ai encore là. Ça fait 15 ans. Voilà. Toi, t'es. C'est quoi l'objet le plus cher que tu as acheté? Alors, l'objet le plus cher que j'ai acheté. Réfléchis pas trop, vas-y. C'est une schneck. Une schneck. Je l'ai acheté 80 euros. 80 euros. En général. Hein. Bah, une télé ou tout ce que vous voulez, une maison. Non, la télé, c'était pas cher. Une télé, combien tu penses? Les télés? Ouais. On a acheté combien? Je sais pas. 1000 euros, 2000? Attends. Moins? Ok. Ça marche. Mais la plus chère, je pense que c'était la bague de fiançailles et puis. Okay. Pourquoi? Des fringues. Du coup, à ce moment-là, on dira pas le prix. Et c'est quoi le truc prochainement que vous comptez acheter le plus cher? Prochainement. Mais nous, on n'achète pas. Vous faites quoi, vous? Vous dealez? On loue, on, tu vois. Ah, vous louez? On paye les restos, les bars, mais on n'achète pas beaucoup de choses. D'accord, c'est sûr qu'on ne fait pas des économies, quoi. Si, c'est cher. 80 euros, faut quand même donner les 80 euros. On précise qu'une Schneck, c'est une marque de chaussures. Donc, comme je suis étudiante, je ne me permets pas d'acheter des choses qui sont super chères. D'accord. Donc, je pense que c'est un iPhone. Un iPhone? Ouais. Ok, combien à peu près? 600 euros. 600 euros, d'accord. Oui. Et l'objet le plus cher que tu vas acheter à l'avenir? Quand tu seras plus étudiante, par exemple. Une voiture ou une maison. Une voiture ou une maison, d'accord, ok. En tout, bah, ça va être ma voiture. Combien, après combien? 19 300. C'est une quoi? C'est une Toyota hybride. Ah bien, Toyota hybride, d'accord. Okay. Oui. D'accord, ok. C'est... Pourquoi? Ah, parce qu'on est curieux. D'accord, ok. Voilà, okay, voilà. Curieux, monsieur. Et c'est quoi, monsieur, du coup, l'objet prochainement que vous allez acheter le plus cher? C'est l'anniversaire de ma femme. Ouais. Je lui ai acheté un sèche-cheveux Dyson. C'est combien, peut-être 200 euros? 300. Ah, quand même, hein. Ouais, ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais ma femme, ça passe avant tout. Quoi. Je vis en voiture.
voiture. Ouais. C'est combien le prix, si je peux me permettre? C'est 1500. 1500? Ouais, pas très cher. 1500 la voiture? Ouais. Mais c'est quoi, c'est un mini truc, non, ou c'est... Les voyages, le voyage. Ah ouais, sinon ouais, on a fait un voyage à 2000 euros cet été. Ah d'accord, ouais, sympa. Et l'objet le plus cher que vous comptez acheter à l'avenir? Une voiture. Plus cher que 1500, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Carrément, c'est le but, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Toi aussi pareil? Oh, j'en sais rien. Ouais, peut-être parce qu'il faut que j'ai mon permis, donc là je vais l'avoir dans... D'accord, ok. Oh, on l'a gagné aussi. Ok. There we go. What's this? This is a sign. A sign. Sign, too. Too crazy. Okay. There we go. There we go. This is so romance. Nice. Une paire de chaussures. Ouais, des chaussures, je pense. Ok, combien vous pensez? 500, je pense. 500. Ouais. C'était quoi? C'était quelle marque? Gucci, Balenciaga, Crockett and Jones. Ok, ouais, ok. Crockett and Jones, ok, ça marche, ok. Ouais. Et c'est quoi prochainement le truc que le plus cher que vous allez acheter? Prochainement. Prochainement? Ah non, je retire ce que j'ai dit. Ah, il y a autre chose. Dis-moi. C'est l'appareil photo. C'est mon appareil photo. Oh, combien? 1200. 1200, ouais, 1200. Ouais, 1200, ouais. Sympa, sympa, d'accord, ok. Ouais. Et c'est quoi prochainement le truc le plus cher que tu vas acheter, du coup? Je pense que ce sera un appart. Hein. Appart? Ok. Direct. Tu penses mettre combien dans l'appart? J'en sais rien, mais je sais pas, 200 000 peut-être. 200 000? Ah monsieur, Mais dans 5 ans. Ok, 200 000, d'accord, ça marche. En tout, ouais. iPhone, maison, jet privé, je sais pas. Ah, maison, un peu. Maison? C'était quoi le prix? Je sais pas. Vous savez pas le prix de la maison que vous avez acheté? Je sais pas. D'accord, ok, ça marche. Ok, et l'objet le plus cher que vous comptez acheter à l'avenir? Un billet de cinéma. Billet de cinéma? 10 euros? Ouais. Ok, c'est... Voilà, chacun sa vision. Ok, ça marche, bah merci. Le billet d'avion, j'ai payé ça à 4000. 4000? Pour un billet? Non, le voyage. Ah, le voyage complet. Et j'étais où? À Séoul. Oh bien, à Séoul, ok. Donc tu es un peu fan de K-pop? Non. Ah pas du tout, d'accord. Fan du pays, mais pas trop de la ça musique. Ça marche, ok. Et toi du coup? Moi je pense que ça a été un instrument de musique. Ah. Sauf piano, non? Ou violon? Non, une guitare. Guitare, d'accord, ok. Quoi dire, sèche ou électrique? Électro-acoustique. Oh, stylé. Ouais. C'est quand même cher, quand même. Ouais. Je pense 600 quand même. 300, ouais. 300, d'accord, ouais. Ça va. Bon, en tout cas, merci à vous. Hein. Un chien. Un chien? Et ça t'a combien? Combien le prix? 3500. 3500, bien. Et à l'avenir, quel objet t'aimerais acheter? Une voiture. Une voiture? Combien tu serais prêt à mettre? Voilà. 1 million, s'il le faut. 1 million? Ouais, bon, on reste en contact du coup pour que plus tard. En fait, moi dès que j'ai de l'argent, je le nique. Direct. Économie zéro. Un jour, je suis allé chez Philippe Lin, ouais. J'ai vu le jean, il était. Tu vois, il y avait 1005, il y avait écrit 1000 balles parce qu'il était déstocké, je l'ai pris, tu vois, parce qu'il était direct. Très beau. Il y avait des étoiles dessus, du cuir, je l'ai mis une fois, ouais. Et j'ai jamais remis après. Tu connais après les habits, c'est rien. J'ai vu dans ta vidéo, il y a des mecs qui achètent des trucs, ça coûte 30 000 euros. Bah oui, t'as vu ça, ouais. C'est léger, tu sais. Je parle bien dans le micro là. Et sinon, on va dire que à part ça, t'as quoi d'autre que t'as acheté qui est cher? iPhone, tout ça et tout. Quelque voiture, chose. Tu vois, j'ai acheté une Smart il y a pas longtemps. Ouais. Combien? Je l'ai acheté 2000, tu vois. 2000, ouais. Occasion, après pas magasin quand même. Ouais, ok. J'ai acheté quoi? Non, je t'ai dit maintenant, j'ai acheté du Décathlon. Et tu vois le truc là? À chaque fois, je fume du shit, je fais des boulettes dessus. Ouais. Du jeu que ça coûte 20 euros, je le jette. Oh, t'as raison, je le rachète. Tranquille, 20 euros, j'avoue. Tranquille. C'est bon. Le Kalenji au bas. Et c'est quoi du coup prochainement le truc le plus cher que tu vas acheter prochainement? Je te rends pas, je vais acheter une Patek, hein, le Philippe Patek. Hein. Ah oui. 40 balles, hein, 40 balles au bras. Ok, d'accord. Peut-être je vais la voler, tu vois, mais peut-être. Je sais pas, on verra. On verra, au calme. Ah bah, ça tombe bien, on a parlé à Lego. Un Lego? Exactement. Et c'était quoi le prix? Ça devait être 500 euros Lego Star Wars, l'étoile de la mort. Énorme, un Lego de collection en fait. Exactement. Énorme. Et l'objet le plus cher que vous comptez acheter? Oula, mon vieux, vous me posez une question. Je sais pas encore. Dans un avenir proche, non, il n'y a rien qui vous vient d'esprit. Une maison? Vous serez prêt à mettre combien? Je sais pas encore. C'est une Rolex. Combien la Rolex? 5200. T'as payé en liquide ou en carte? Ah, je sais pas, c'est pas moi qui ai acheté, on m'a offert. Ah, qui t'a offert? La copine? Non, mes gros-parents. Ah, ok, ok. C'est bien. Et à part ça, sinon? Toi, je sens que tu mets beaucoup d'argent dans Fortnite, toi. Dans oui. Les V-Bucks. Oui, c'est vrai. Toi, tu mets combien? Tu mets combien dans les V-Bucks, toi? 350. Hein? C'est beaucoup trop pour les skins. Hein. Non, ils sont trop beaux. Là, encore là, je vais aller en acheter d'autres. Encore? Ouais. Wow, gars. Doucement. Hein. Ouais, mais comment t'es fort à Fortnite? En fait, avant, j'étais manette. Là, je suis souris et ça va. Je me débrouille. Avant, c'est sur quoi, manette. Sur PS4? Ouais. Tricheur, bah. Mais là, bientôt, je vais acheter un PC. Je vais acheter un PC. Ma PS4. Aïe, un gamer quoi, Fortnite, Apex. Non, je suis plus trop dans les games ce temps-ci. Ah ouais, j'ai arrêté un peu. Arrête un peu. Ouais. D'accord. Et quel est l'objet le plus cher que tu vas acheter à l'avenir? Alors ça, bonne question.
Ah, je crois que ça va être des trucs bien chers, hein, si jamais ça fonctionne dans la vie future, quoi. Si Dieu le veut. J'achèterai des nouvelles sneakers, mais vraiment bien chères, franchement. Yes. Et enfin, voilà, tu vois. Déjà, on commence par les sneakers et après, on verra à l'avenir s'il y a plus. Lifestyle, clairement, c'est mon truc. D'accord, ok. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo, bande d'animaux Angoulou. Dites en commentaire l'objet le plus cher que vous avez acheté. Et vraiment, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment un gars vraiment sympathique, qui fait des bonnes choses, donc il faut le suivre. S'il vous plaît, suivez-le.